pissed off. Cole Sherwood, one of the newest Belleville Senators, making his B-Sens debut tonight. On cherche à Sandy pour récupérer. Kevin Roy tente un dégagement maintenu par Wedman. Un tir et le but! Le tir de loin de Matthew Wedman, on le sentait venir. Les Sénateurs sont tout feu, tout flamme en ce début de match. Et le Rocket subit des foudres dès le départ. Wedman, le premier but de la saison. Et on ira ramasser la rondelle, c'est un premier pour lui dans l'organisation des Sénateurs. 1-0 Belleville. On envoie profondément ses dauphins derrière le filet. En envoyant l'embouchure pour Pezzetta, parvient tout de même à garder en zone ennemie pour Paquet de Bisson. Un tir en se retournant, des miroirs, le but! Michael Pezzetta avec le premier de la saison pour le Rocket. Et l'égalité créée, c'est 1-1. Pezzetta qui a sauté sur une rondelle libre à l'embouchure. Un tir de loin qui a donné du mal à Matt Saugarde. Et Pezzetta récompensé pour son excellent cache canadien. Ça se poursuit pour lui avec le premier de la saison. Tommy Paquette-Bisson va participer à ce but, le tir initial du début. Et encore à Brandstrom. Il est pourchassé par Bourque. Long passe au centre, un peu loin pour Jarvinty. Tout de suite, le dégagement de Delo. Mauvais chute et le but! Saugarde a trébuché et Lucas Vindebo va venir enfoncer cette rondelle dans le fond du filet. Un bond capricieux sur la rampe qui sert bien la cause de Vindebo. Un but marqué en infériorité numérique et le Rocket n'en demandait pas tant. Prend les devants en début de deuxième. Un jeu tout à fait inoffensif du centre de la glace de Tori Delo. Dégage et ça frappe la tige, ça surprend le gardien, Saugarde et Vindebo qui converge au filet. Marc son loin, dévié devant par Bourque, un beau jeu. Dauphin tente de dégager, ça donne contre Thompson à Aspiro. Un tir de loin qui rate la cible. Un choix de sixième tour des Sénateurs lors de l'encan 2020. Alors, vient de marquer son premier en carrière dans la Ligue américaine. Mais tout de suite, le Rocket qui menace le tir, le but! Danick Martel rentre à la maison et marque immédiatement son troisième, le troisième du Rocket dans le match. Et c'est 3-2. Bien, la foule n'a pas eu le temps longtemps de critiquer la marque à 2-2. Tout de suite sur la relance, le Rocket qui vient tout de suite reprendre les devants. Ah, quel travail de Martel, c'est lui là, qui est venu sortir l'attaquant Mark Castellick du jeu brisé. D'un tir de l'enclave. Dégagement par la suite des Sénateurs, mais attention, contre-attaque, remise à l'enclave. Quel arrêt! Spectaculaire, Cayden Primeau au départ de Andrew Agostino. Et la foule se lève d'un bloc à la place Belle. Spectaculaire, quel arrêt Primeau vient de réaliser là. Wow! Absolument sensationnel! La marque demeure 3-2 Laval. Le party de retour en ville. On s'arrête pour un court instant et on vous revient en deuxième période. C'est 3-2 le Rocket en avant. À la ligne bleue, intervention de Belpedio. Coin de patinoire à Roy. Du revers. Dauphin s'amène près du filet. Belle fin de tir. Le retour et le but! Jean-Sébastien Day! À son premier match à la maison à Laval, vient marquer, c'est 4-2. GSD dans l'enclave, en marque un quatrième. Les écluses sont ouvertes pour le Rocket en deuxième période avec un troisième but marqué. Dauphin, bonne présence, a convergé vers le filet. C'est ce que fait D également. De l'enclave, un tir dans la partie supérieure. La rondelle a raté le filet. Contre-attaque rapide, Paddock veut surprendre. La défensive échappée, Baudin tire le but! J.C. Baudin, lui aussi, veut marquer. Et c'est 5-2. Le Rocket est en train de se faire tout un party à son retour devant ses partisans. Avant un quatrième en deuxième période. Et c'est un autre patineur de chez nous, Jean-Christophe Baudin de Longueuil, qui se moquait de Matt Saugarde de la suite. Baudin tire le but! J.C. Baudin! Lui aussi veut marquer! Et c'est 5-2! Le hockey du Rocket.
au 91.9 Sport. 91.9 Sport. C'est à toi dans 5 secondes. Le hockey du Rocket. De retour au 91.9 Sport. On est de retour et ça a pris 9 secondes à Ryan Poehling au début de la troisième. C'est 6 à 2 Laval. Quel départ! Poehling se glisse derrière la défense. Et le Rocket explose à son retour devant ses partisans. 9 secondes en début de troisième. Poehling s'est moqué de la couverture. Et du gardien Kevin Mandolez. Wow! Désolé, vous avez manqué ça, je veux dire. On était juste pas dans le timing de 10 secondes. C'est pas des farces. 9 secondes!